legendary warriors, eternal foes, new adversaries. The curtain rises on an all-star battle. Dragon Ball Super Card Game. Cards feature brand new illustrations just for the game. Battle cards and extra cards with gorgeous anime art. And leader cards with intense CG illustrations. Experience the ultimate card battle. In this game, combos and awakening are the key. To the strongest team goes the glory of victory. Dragon Ball Super Card Game. On va passer une autre couleur qui est aussi moins vite. Toi, tu vas adorer. C'est, hein. c'est ma couleur préférée. La rouge. Alors, quand on voit Dragon Ball Super, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'univers 6. Oui. Et moi, je suis un fanat de l'univers 6. Ouais. Moi, j'attends l'extension avec Kale, Khalifa et Kafla. Moi, tu me les sors, je fais un Dasamai. On est d'accord. Comme moi, quand j'ai vu Broly. Moi, je joue au jeu portable Dokkan Battle. Il y a eu le portail qui est sorti avec Kafla, Khalifa et tout bazar. Ouais. J'ai craqué mon slip. J'ai tout fait pour les avoir et je les ai même pas eu. Donc là, on va pouvoir commencer une carte aussi qu'on peut craquer son slip entre guillemets, comme tu dis, hein, pour l'achat parce qu'elle coûte assez cher sur le net. Ah bah, c'est la carte la plus chère du jeu à l'heure actuelle. Hein, 80 balles en moyenne. L'unité. Après, bien sûr, il y a les cartes sur et eBay qui vont moins cher. Et on peut parler de mon ami là qui l'a ouverte. Elle existe en deux versions, oui. La version normale et la version foil. Et tu l'as eu, c'est la version normale. Ouais, la version normale est à 80€, la version foil est à. Non, l'inverse, la version normale est à 15€ et la version en moyenne. Et foil est à 80. Elle est, D'accord. Ouais. Plus quadruple. Mais même quand même, hein, 15€ pour une carte qui n'est pas foil. Non, mais surtout que j'ai cru. C'est surtout, on va vous l'avoir. Donc, si vous voulez, la définition de carte Game Breaker, c'est bon, là. Alors, en fait, elle vaut 6 mana, dont 2 rouges. Bon, ça, c'est la moyenne. Hein, pour c'est ça. À la 25 000, c'est la moyenne. Mais elle a double frappe, on s'en fout. À la double frappe, on s'en fout. Mais si elle arrive à faire cette capacité d'évolution, quand elle arrive en jeu, elle a fait directement 2 dégâts à l'adversaire sans taper. Hein. C'est gratuit. À l'arrivée, tu fais ta perdue de points de vie. Et ensuite, on peut taper accessoirement, on sait jamais. Si le mec a rien pour bloquer, en un tour, vous lui faites perdre 4 points de vie juste en la jouant. Donc, du coup, vous avez des hits, vous les faites évoluer pour 5 et puis vous faites. Sérieusement, vous avez cette carte, vous avez la possibilité de le faire, faites un deck autour de 8. Ah ouais, complètement. Surtout que le leader hit est plutôt pas mal. Le leader hit est pas dégueulasse. D'ailleurs, j'ai drop. Oui, tout le monde le drop. Ah oui. Pas forcément, hein, parce que moi j'ai vu d'autres personnes dans l'ouvrir, ils n'ont pas eu. Le leader est pas dégueulasse. Il faut savoir que j'ai vu cette carte de l'extension rouge Hit dans les dernières. Ah oui, d'accord. Et j'avais vu les hits qu'il y avait eu dans la partie et j'avais envoyé un message du coup. En lui disant, mais ils ont pas respecté Hit dans ce jeu. Comme dans le manga, ils l'ont pas respecté, ils en ont fait de la merde. Et ben comme dans Dokkan Battle. Et là, je suis tombé sur celle-là, j'ai fait. Ah non, en fait, c'est trop fort. Ah, c'est fort. Je suis sûr qu'il y a des dettes, tu dois gagner juste avec lui, hein. C'est un truc de fou. C'est probable, c'est faisable. Non, bref, j'ai mis un gros 5 sur 5, c'est n'importe quoi. Moi aussi, 5 sur 5, Game Breaker, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Et donc là, on va passer à une suite. Moi, j'ai mis une note désastreuse, c'est Champa, la destruction. Champa, la destruction accrue. Non, moi j'aime bien. Quand on effectue une combo avec cette carte, la carte attaquante attire double frappe. Oui, mais moi j'aime bien. Imagine les trucs qui donnent double frappe, j'aime pas. Hein. Ouais, toi t'aimes pas les trucs qui donnent double frappe. J'ai mis 1 sur 5, je ne supporte pas. Alors il faut savoir que cette carte, moi c'est pareil, hein, je l'ai pas super bien notée. Mais j'ai été beaucoup moins sévère que. Moi Unimar, je suivais que des conneries. Là on en est peut-être. Ouais, on est là. Petit tour de sa feuille. Je prends mes notes. Voilà. Et du coup, Champa destruction accrue, bah moi j'ai donné un bon. 3 sur 5. Ah quand même. Ouais. Parce que il faut savoir que pour 3 il a 16 000, la moyenne c'est. Oui, 15. 15 000. Je suis donc d'accord. Tu es casse-couille. Du coup cette carte est très casse-couille. Oui, je sais. Et sa capacité, ça peut
sur un coup de bluff. Je suis d'accord, mais j'aime pas. T'aimes pas. Ouais, mais toi, t'aimes pas les cartes qui donnent double frappe. Moi, j'avais tendance à penser comme toi avant de jouer avec toi. Et puis après, avec les combos que j'ai sortis tout à l'heure, j'ai fait non, c'est fort. Il faut pas. Le Monaka est très mauvais parce que c'est que sur leader. Oui. Par contre, si c'est sur les autres cartes, je suis désolé, j'aime bien. Ah, c'est mon avis. Hein. Oui. Donnez-nous justement votre avis en commentaire, on veut lire, on veut tout lire. On prend tout. Pour moi, c'est l'équivalent à Magic du piétinement. Oui, mais j'aime pas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bien. on va passer à un autre, Champa, le complotant. Quand on la joue cette carte, enfin en gros, quand on joue un alien, donc la race alien, oui. Comme par hasard, Aït ou Anthros, je ne donnerai pas à la blague, mais moi. Tous ceux qui sont de l'univers voilà. 6, en fait, en dehors des Saiyans, c'est ça qui est dommage. Il gagne 5000 de puissance. 5000 de puissance. Et pour la fin du tour, c'est fort. Et moi j'ai mis un bon 3 sur 5. Et moi j'ai mis 4 sur 5. Et puis on l'a vu tout à l'heure en test parce que je joue ce champ de bas. C'est fort. Tu te sentais obligatoirement de me le détruire. De booster des trucs, de le tuer. Tu le voyais, tu fais il faut que je le tue quoi qu'il arrive. C'est ça. Et dès que tu pouvais, tu le faisais. C'est ça, c'est trop fort. Après, on va passer à un autre champ de pas encore. Sur les champs, il y en a plein. Ah oui, il y a plusieurs champs. Mais en même temps, l'univers 6 n'a pas beaucoup de personnages différents. C'est ça. Bah, comme Goku, hein, Non, mais en bleu, ils ont spam les Goku. Ils auraient pu mettre Videl. Ils auraient pu mettre d'autres persos. Il y avait des persos à mettre. Non, mais... Z, Yamcha. On aurait pu mettre un bon Yamcha juste pour rire. Ou un Tenchin Han. Ouais. En fait, il se suicide, ouais. On le tape, il meurt. Et Chaos, on suicide avec capacité. Si combat, il tue l'adversaire. Non, on a quand même un Krilin bouclier humain. Là, ils ont manqué de respect. Donc, du coup, Champa, le dieu manipulateur, moi j'ai trouvé moyen. Quand vous jouez ces cartes, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à une carte, Champa, rouge parmi elles, et placez-la dans votre main. En gros, c'est comme un Goku, sauf que Goku tuto des Goku, mais Goku c'est fort, Champa c'est pas fort. Alors c'est pas que Champa n'est pas fort, c'est que Champa lui il évolue pas. Voilà, c'est ça. Là où Goku il va évoluer, et du coup ça va être très pratique, autant sur un Champa c'est un peu useless. J'ai mis deux parce que c'est un tuteur, mais en fait les Champa ne sont pas sans trop dans une stratégie. Non, ce Goku est du coup l'est, Broly l'est, Freezer l'est, lui ne l'est pas. Voilà, et du coup, moi, toi qui as mis deux, moi j'ai mis un. Ah quand même, attends quoi. Ah bah oui, parce que oui, c'est l'inverse. J'aime beaucoup Champa hein, comme jeu de la destruction, mais non. Non, là, non, celui-là, je... En fait, je comprends pas l'intérêt de la carte, donc... Effectivement. Ensuite, on va passer... Après, s'il y a d'autres Champa qui sortent plus tard... Oui, je pense pas, mais ça peut j'ai pas faire. Regardé, j'ai ça pas regardé du tout les éditions, ne spoiliez pas. Nous non plus, on n'a pas regardé les autres éditions, mais j'ai dit, si on a un qui sort, ça peut être utile. On va passer à Vados, déesse de la fascination. Alors ma préférée, c'est pas ma carte préférée, c'est Vados, c'est mon perso préféré de l'univers 6. Ah bah en plus c'est servi hein. Et je vous jure, j'étais heureux quand je l'ai droppé tout à l'heure. J'ai vu, j'ai fait, j'hésitais entre trois leaders. J'ai dit je verrai avec celui que je drop en booster. J'ai droppé Vados, j'ai fait ah bah c'est parfait, c'est là que je voulais. Fort. Donc à la réplique, comme on a dit, réplique c'est fort. Taper, pouvoir retaper derrière, c'est fort. À coup de 5, oui. De rouge, à la réplique, à la 20 000. À la 20 000. Et quand cette carte attaque, on regarde jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, on choisit jusqu'à un alien, il y a plein, avec 15 000 ou moins de puissance, qui dit hit, j'ai pas entendu. Frost aussi, j'ai pas entendu. Frost est très fort. Et jouez-le. C'est trop fort. On le joue complètement, et on a vu qu'elle a coup de 5. Ouais. Hit. Si on sort le hit qui a 6 quand on le pioche, on joue le hit Game Breaker pour non, 0. Tu hit, il a 20 000 de puissance, j'ai vérifié, mais c'est ça, 25 000. Mais c'est pas ça, c'est comme il faut qu'il évolue. On va chercher le hit à 15 000. Ah oui, le hit à 15 000. Ouais. Tour 5, on le joue. Oh, j'ai l'ai dans la main, tourne après, bim. Je l'ai voulu. Voilà, c'est super fort. C'est trop fort. Moi j'ai mis 5 sur 5. Moi j'ai mis 4 sur 5, un spoiler, un vrai spoiler. Je suis désolé, 5 sur 5 pour 4, 20 000. Qui va te permettre d'aller chercher un personnage alien, sachant que si on joue rouge, on va avoir énormément d'aliens, en dehors des Saiyans, et aller chercher un perso, et en plus réplique. Mais surtout, c'est ça. Réplique, c'est rare. C'est pas ça que c'est réplique, c'est rare, c'est que réplique a cette capacité, c'est que je l'ai peut-être sous-noté, hein, d'ailleurs, quand tu le dis, mais c'est que comme elle attaque deux fois, elle fait sa capacité de deux tuteur. Deux fois. C'est pour ça que c'est Game Breaker, c'est Game Breaker. Peut-être. Aller chercher deux cartes dans le même tour, deux attaques, c'est quatre, c'est trop fort. On va passer une autre Vados, Vados au cœur calme.
Je l'ai bien noté, quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck et choisissez jusqu'à un alien rouge parmi elles et placez-la dans votre main, donc elle est moins puissante. Elle est moins puissante que l'autre. Mais c'est la même chose, ça fait un tuteur, un autre tuteur rouge pour les aliens. Oui, et on remarque que le rouge a beaucoup de tutos. Et surtout, comme je dis, c'est très stable du coup. C'est très stable, le bleu c'est du ramp de mana, le rouge c'est d'aller chercher les cartes qu'on a besoin. Alors, d'habitude, le rouge c'est pour taper. Ouais, dans les 3 quarts des jeux c'est pas taper, dans celui-là c'est même, même là dans l'esprit du jeu c'est taper, mais là je... Ils disent que c'est tapé dans l'esprit du jeu, quand tu regardes, c'est pas ça l'esprit du rouge. Vas-y, il tuto, il tape. Et il tape, mais il tuto. En même temps, c'est Vanos. Mais en même temps, tuto. Oui. Tu peux l'avoir dans toutes les couleurs, t'as des tutos dans toutes les couleurs. Donc c'est tapé, tu vas me dire, mais justement, les tutos des persos balèzes. Oui. Voilà, c'est un jeu de tuto, c'est pas un jeu. J'avoue. Parce que, en personnage qui frappe, on parle des verbes ou ça se passe. Non, on va en parler après. Non. Donc là, on va passer à Hit. Qui est la base de l'évolution. On n'a pas donné la note. Ah oui, pardon. J'ai mis 3,5 sur 5. Et moi, j'ai mis 3,5, j'ai mis 4. Ah, bien, quand même. Ah ben, c'est trop fort. Ouais, c'est fort. C'est très fort. C'est très très fort. Ouais. Surtout que là, il n'y a pas de limite de puissance. Non. Donc, vous jouez la première qui va chercher le lit qui va évoluer. Et vous jouez celle-là, vous avez joué celle-là avant parce que vu les coups, tu vas chercher celle, le hit Game Breaker. Tu fais le combo des deux, c'est fini. Il y a moyen de faire des dates, si vous avez des dates justement, donnez-nous toutes les listes de tous les trucs. Nous on va regarder, on essaiera de tester si on a les cartes et il y a pas trop dur, il y a moyen. Ensuite on a le 8, donc de base, qui est, moi j'ai mis 2,5, c'est un beer, c'est un truc de base. Bah moi c'est la même note que Goten, Gohan, Goten et Trunk, c'est 2. Ouais. C'est pas la carte qu'on va chercher, mais on en met toujours un parce que ça répond à tout. C'est ça. Ça répond à toutes les situations. On va pas trop épiloguer, on est déjà fait. Là, on va passer sur un personnage que j'aurais bien aimé dropper. Ouais, un KB, je n'ai pas eu la chance. C'est d'ailleurs en feuille, il est magnifique, hein. Vraiment. Toi, tu l'as droppé. Ouais, elle est belle. Elle est magnifique. Honnêtement, elle est forte parce que. Elle a juste double frappe. Mais. Elle a une capacité très intéressante. En fait, quand elle évolue dans celle-ci, on la passe en mode action. C'est-à-dire qu'en fait, les évolutions, quand on évolue, si la carte est en mode inertie, c'est-à-dire que si elle avait attaqué avant, voilà. Et bah, elle restera toujours en mode inertie quand elle évolue. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jeux, dans les phases, ceux qui n'a pas lu les règles et qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'on peut, dans la phase principale, faire jouer une carte. On peut attaquer, jouer une carte, réattaquer, rejouer une carte. Et rejouer un sort, rejouer une carte. Et donc là, il y a un combo très fort avec KB, c'est qu'on joue le KB normal. On attaque. On fait évoluer au KB fou furieux. Et on réattaque, c'est magique. Mais vu la puissance du KB de base et vu sa puissance de L pour 4, j'ai mis que 2 sur 5, j'ai mis situationnel. Non, moi j'ai mis 3. Ah ouais. Bah, au-dessus de la moyenne, je suis désolé, elle est au-dessus de la moyenne. Hein, ses capacités, double frappe. Le KB par contre, normal. Bah, elle est pourrie. Moi je l'ai pas aimé du tout. Mais moi je suis un peu vénère, en même temps j'aime pas KB, donc du coup ça doit jouer. Ouais, mais toi t'aimes pas essayer de l'univers 6, moi je les aime bien. Donc en gros le KB c'est pour 1, c'est un truc de base, hein, c'est tour 1 qu'on va jouer. Après c'est vrai que KB il a tendance à m'énerver dans la ligne. Mais ça c'est autre chose, mais c'est vrai qu'en jeu de cartes il est pas terrible. En jeu de cartes il est pas terrible, il y a que le KB fou furieux qui est bon. C'est ça, et encore bon, faut le dire vite. Si une carte sort qui est en rapport avec KB. Oui, c'est très puissante. C'est très puissante et que au début je la pensais nulle, en fait, non. On en reparlera, on l'a testé en fait, non c'est trop fort. Alors quand cette carte attaque, donc le KB, vous pouvez choisir une de vos cartes de points de vie et la placer dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte gagne 10 000 de puissance et attire double frappe. Alors cette carte est très bien dans un deck all-in. C'est-à-dire, je veux bourrer. Et moi, je dirais même pas, parce que c'est, comme on l'a. Ah non, mais je comme, comme on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, la capacité de perdre des points de vie pour choper des trucs, moi, c'est une capacité que je n'aime pas du tout. Ah non plus. J'ai mis 1 sur 5. J'ai fait une tape fort, mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Et toi, tu as mis 1 sur 5. Non, moi, j'ai mis 0. Ah ouais, moi j'ai mis, alors spécifiquement j'ai mis dans mes notes, il tape fort et a le même effet que le leader Ginyu qu'on verra plus tard, ouais. Mais je ne suis pas hypé par la stratégie, mais peut-être ai-je tort. Ah la ouais, c'est pareil, la stratégie est peut-être forte, mais personnellement je n'aime pas l'idée de sacrifier les points de vie. Ah bon, pas du tout. Les points, on en aurait une vingtaine. Comme à Magic. On s'en fout. On en a 8. À Magic j'aime bien jouer des cartes qui me... je perds 3 points de vie mais je t'en enlève 10, ou des trucs comme ça. J'aime bien. Mais là 8, c'est nul. Ça part trop vite. À la rigueur ça peut être situationnel, en balancer une fois quand on est à 5 pour passer en éveil. Et encore il faut hésiter. Ça pesait pour et le contre à chaque fois qu'on le fait.
Il n'y a qu'une seule carte qui a ce type de effet que tu utilises, et encore oui. Tu n'es pas très... Je l'ai fait une fois parce que c'est situationnel et ça me sert juste pour tuer le gros trou d'en face. C'est ça, quand le mec a sorti le gros trou en face... Ou alors pour tuer le bloqueur s'il me reste un truc à faire, non? Ouais, c'est ça. Si, pour, tu vas l'utiliser soit pour finir, oui. Sur l'autre carte, pas sur celle-là. On sur en celle-là, parlera, sur celui-là c'est un Végéta, voilà. Encore un beau Végéta. C'est ça. Qui hurle d'ailleurs, sa illustration me fera barrer, mais les Végéta ont pris très cher. Ouais. Donc bref, donc moi j'ai mis 1 sur 5, toi tu as mis 0. Bon ouais, on va passer à un autre, Frost, qui est pour moi l'une des cartes les plus cool de l'édition, pas en termes de loot, mais en termes de gameplay. Le gameplay des Frost. Frost, prémonition de l'évolution, c'est-à-dire qu'on va jouer qu'avec l'évolution. Mais lui, il, pour 1 mana, c'est-à-dire qu'on peut le jouer tour 1, pour 2, il évolue en ce qu'on veut. On va voir. Ouais, ouais. Alors que... moi, ce que, le seul truc que je trouve dommage, c'est que par rapport à Goku... Par rapport à d'autres qui ont les capacités d'aller chercher gratuitement leur évolution, oui, t'es obligé de payer 2. Ouais, bah, on va tutoriser. Oui, mais peut-être, mais on évolue en ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on, va, on peut chercher plus tard, on va voir le gros Frost de ouf, qui coûte 4 mana, on peut le jouer direct, tour 2. Ouais, c'est très mais il faut qu'il soit dans les 7 premiers. Oh, c'est pas très dur. Franchement, c'est pas très dur. Il faut en avoir 4. Il faut être sûr d'en avoir 4. C'est un Deathrost. Sans Deathrost, c'est juste nul, mais moi, dans JLU, j'ai fait direct pour un Deathrost, et j'ai mis un bon gros 4 sur 5. Alors moi j'ai mis qu'un 3 parce que comme j'ai dit c'est... J'aime pas le fait qu'il faut payer 2. Ouais. C'est juste ça. Il n'y aurait pas le coup de 2, j'aurais mis 4. Ah ouais bah ouais, écoute. Moi j'ai même mis en commentaire dans mes notes que c'était un vrai Pokémon. Ouais. Et c'est vrai, Frost c'est vraiment le Pokémon. Ah, quand on joue les cartes sort dans Pokémon pour chercher des cartes, c'est exactement ça. Donc là on va passer à la deuxième évolution 3 et d'ailleurs j'ai fait la liste, je pensais que je suis malade. Oui, enfin, je me fais un peu de flatterie. Pour 3, Frost en évolution perpétuelle, donc c'est la forme 3, je crois, de c'est base. C'est la forme 3 de Freezer. De base, enfin c'est Frost. Ah hein. Oui, c'est dommage d'ailleurs que Frost n'ait pas de forme 2, de... parce peut-être que... Un jour. Moi, non, j'ai c'est la alors, non, je suis désolé, l'évolution 2, pour moi, c'est la plus belle qu'il y a. C'est l'évolution à la type Roi Cold. Oui, justement, parce que je pense que tout le confond avec le Roi Cold et donc du coup, ils ont raté. Ouais, mais non. Et bref, donc Frost en évolution perpétuelle, pour 3, il a 15 000, c'est plutôt pas mal, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Il a l'évolution pour 2, donc c'est la moyenne aussi. Et il a double frappe. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut chercher avec la première capacité de Frost, le premier Frost. Mais bon, au pire, c'est pas mal. Au pire, comme tu payes 2 pour aller chercher une évolution, autant aller chercher celle-là qui t'en a cherché une. Donc j'ai mis 2,5. Paradoxalement, cette évolution n'est pas violente, mais avoir un double frappe, c'est pas mal. Moi j'ai mis 3, ah ouais. Parce que comme je t'ai dit, la moyenne c'est 2, et comme elle a double frappe, c'est au-dessus de la moyenne. Et en plus évolution, donc oui, non, c'est 3, au-dessus de la moyenne. Donc là j'ai pensé à, pour moi, le gros spoiler de l'édition, après le hit. Celui-là je l'ai eu, et tu l'as pas. Je sais même pas comment jouer contre. Si, Berus. Il y a encore. Donc pour 4, donc 2 rouges, il a 15 000 de puissance, c'est la moyenne. Il a un peu de moyenne basse. Mais la moyenne quand même. Il est moyenne basse de puissance pour 4. Mais bon, on s'en fout de sa puissance. On a enlevé 5 minutes de puissance, mais on s'en fout. La double frappe, on sait. Les double frappes, tout le monde en a. Donc voilà. Toutes les couleurs en ont, c'est pas exceptionnel. Mais on aime bien l'avoir quand il y a. Et surtout, c'est quand cette carte attaque, on n'a même pas besoin d'évoluer, hein, mais quand cette carte attaque, une carte de combat, on mettait KO la carte attaquée après le combat. Puis si le leader de votre adversaire a 10 000 ou moins de puissance, vous infligez un dégât à votre adversaire. Alors, il faut savoir que tous les leaders ont 10 000 de puissance base. De base, tant qu'ils sont pas éveillés. Voilà. Donc, si l'adversaire n'est pas éveillé, surtout tour 4, c'est rare que ça soit, qu'il soit éveillé. Non. C'est rare qu'il soit éveillé, sachant qu'on peut jouer tour 3 mais s'il a évolution. C'est ça. Ou tour 2 avec la. Si vous arrivez avec Frost, avec le, la première Frost, ça, si vous payez 2, vous avez du bol de l'avoir, vous attaquez, vous êtes fort. C'est fort. Ça fait très mal. Et sinon, il a une capacité qu'on appelle dans Magic contact mortel. Il tue ce qu'il veut. Il affronte, il le tue sauf le leader, bien sûr. J'y ai fait le coup tout à l'heure, j'ai tué une. C'était ton Broly à 30 000. Ouais, il a joué son Broly à 30 000, je l'ai attaqué à 15 000. Fais ouais, c'est, tu te dis ouais bah du coup l'attaque sert à rien et puis là contact mortel ton truc est mort. Alors souvent tu es dans le jeu et ça c'est un peu paradoxal parce que c'est contre-intuitif mais pourquoi pas. Quand une carte à 15 000 de puissance attaque une carte de 20 000, la carte de 15 000 n'est pas tuée parce qu'elle est l'attaquant. Ouais, l'attaquant ne meurt jamais. Ouais, c'est sauf s'il y a une capacité qui dit voilà, l'inverse. C'est tu le défenseur qui meurt s'il est plus. Quoi qu'il arrive. S'il est une puissance égale ou inférieure à l'attaquant. C'est trop fort. Et donc, du coup, on peut attaquer des trucs qu'on veut. On fait bah tiens, ton gros truc. C'est un cleaner. Il arrive, il clean. C'est le genre de carte que quand on la joue sur le terrain. On va s'en servir et on va la protéger. C'est ça. On va tout faire pour qu'elle survive, pour qu'elle continue de poser des problèmes à l'adversaire. J'ai fait un vrai pavé dans mes notes.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu me mets 5 sur 5. Ah, complètement. Je la trouve super forte. Je dirais 4,5. Bah, c'est pas ça, c'est surtout quand on l'attaque et que l'adversaire n'a pas 10 000 de puissance au moins. C'est-à-dire que toi, on l'attaque. Ouais, non, mais c'est fort. C'est pas après le combat, c'est quand on l'attaque. Donc, du le coup, mec, il perd un point de vie avant tout ça. Il avait pas le temps de le booster, donc du coup, c'est quand on attaque, il perd direct un point de vie. C'est trop fort. Ouais, si tu attaques une carte de combat. Ouais, mais c'est pas grave. Donc c'est. Ouais, non, mais c'est pas. Faut ça veut dire que quoi qu'il arrive, que tu... soit t'attaques le leader, le mec qui perd 2 points de vie, soit t'attaques le truc qui perd 1 point de vie, sauf s'il est éveillé. Comme on l'a dit, c'est rare pour ce coup d'invoke. Ouais. C'est fort. C'est très fort. Toi, tu mets 5 sur 5. Moi, j'y mets 4,5 parce que 5, j'ai dit c'est game breaker. Pour moi, c'est pas game breaker, ça reste gérable. Oui. C'est... Mais c'est très fort. C'est plus fort que ce qui est fort. C'est vraiment top tier. C'est ce qu'on appelle une carte top tier. Les Game Breakers, je les appelais God tier. Ouais. Et là, c'est top tier. C'est du jargon, mais c'est pour différencier les très très fortes et les très très fortes. Mais bref. On va pas différencier celles qui cassent le jeu de celles qui sont très fortes. Donc là, on va passer une autre carte qui est très forte. Hein. C'est Botamox sur de lui. C'est lequel des Botamox? C'est pour 3 à la 15 000, c'est la moyenne. Ah oui. La permanence, une capacité qu'elle aura toujours. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en mode action. Ah, sa capacité. Comme on l'a dit, on peut attaquer que les cartes en face, ils sont en mode inertie, elles sont engagées. Et elle, non, elle s'en fiche. Ah, tape ce qu'elle veut. Et donc, du coup, je lui ai mis un énorme 4 sur 5. 4 sur 5 c'est aussi. Trop puissant. Il faut savoir que j'aime beaucoup cette capacité de taper ce qu'on a envie de taper. Ah, c'est trop puissant. C'est pour ça que j'ai choisi Vados. On va vous expliquer longuement, je pense, en plus tard. Ah, c'est ma capacité préférée. Oh, c'est bien. Après le contact mortel, parce que le contact mortel, c'est beaucoup trop fort. Non, mais là, c'est en déconner, c'est trop fort. Tu donnes contact mortel à un truc comme ça, c'est fini, le mec il fait rien. Donc on va passer à un autre Botamo qui est un Botamo bloqueur. C'est le Botamo équivalent au caillot. Donc 3. Moi j'ai mis 2,5. J'ai mis 3. Je t'ai dit 3 tous les bloqueurs. Ouais, moi j'ai mis 2,5, on va pas passer trop longtemps. Voilà. Lui j'ai eu du mal. Je savais pas comment noter. Le Magetta, le mur d'acier. Pour 3. Magetta, mur d'acier. Il a 15 000, c'est aussi la moyenne comme Botamo. Sauf que lui il a une capacité permanente, c'est qu'il ne peut jamais te tuer en combat. Alors ça fait que tu joues une carte qui ne peut pas si la cible, bah tant pis pour l'autre parce qu'il perd son attaque puisqu'il te la tuera pas. Oui mais. Mais il ne peut pas bloquer, c'est-à-dire que les capacités. On peut pas défendre avec elle. Si on peut défendre. Avec quoi? Non, elle a pas bloqueur, oui. Voilà. Non, elle a pas bloqueur. Tu non, moi, oui, tu, c'est tu ça. Tu l'as dit toi-même. Mais non, on peut pas, elle n'a pas bloqueur. Elle a pas bloqueur. Alors un bloqueur, ça serait complètement pété. Ça serait bien. Ah bah tu. Un bloqueur intuable, tu l'as vu. Tu mets ça bloqueur, je te regarde, je fais bon bah 5 sur 5. Hein. Ah oui, elle aurait mis même juste 1000 de puissance, ça suffisait hein. Ah ouais, non, mais là la puissance, on. Non. Non, bah non, justement, ça serait marrant. Un bloqueur qui a cette capacité avec 15 000 d'attaque, comme ça tu peux quand même attaquer, tu sais. Voilà, donc du coup j'ai mis 1,5. Non, moi j'ai mis 2. Ah ouais. J'ai mis 2. À l'instant, parce que je révise justement, parce que tu m'as dit qu'effectivement tu peux pas défendre avec. Non. J'avais mis 3 à la base, donc je descends à 2 parce qu'il peut pas bloquer. Mais moi j'ai pas mis 0 parce que, comme je dis, c'est un alien. Donc elle est tutorisable par tous les Vados du monde. Elle est tutorisable par les Vados. Tu mets champ pas, tu lui rajoutes 5000. Mais sa capacité en solo elle sert pas à grand chose. En gros elle sert à attaquer mais en fait on s'en fout. Bah tu meurs pas quand t'attaques. Donc c'est ça le truc. Donc, bon, j'ai pas après si t'as des cartes qui te permettent de rediriger les attaques ça peut devenir très fort. Donc là on a en gros le substitut à Piccolo en bleu. C'est Magetta de l'univers 6 qui est un bloqueur pour 2 pour 10 000. On va pas épiloguer. Bah 3. Voilà, moi j'ai mis 2,5. Voilà. Comme tous les bloqueurs. Tous les bloqueurs. Une carte que je trouve très mauvaise, Kyoshin de l'univers 6. Alors, à mon avis, ça va être très fort dans la prochaine extension puisque c'est basé sur l'acte Tron du futur contre Black. Ouais, assistant Kyoshin, donc ouais, il y a des trucs à faire. Voilà, à la prochaine extension. Je pense. Ouais, bah logiquement, on pense tout de suite à un Zamasu qui est un assistant de. Sans déconner. Tu vas chercher. Moi, j'y ai pensé direct, j'ai pas vu les autres cartes de l'univers. J'y ai pas pensé parce que j'ai pas cherché à. En fait, quand j'ai vu cette carte. J'ai pas cherché à penser prochaine extension. Non, mais non plus. Mais comme toi, tu viens de me dire. En fait, entre guillemets, j'ai regardé sans faire exprès, j'ai pas vu les cartes. Mais j'ai vu le nom d'extension parce que en prenant les scans, sans avoir tombé dessus, je suis tombé dessus. Et j'ai. Ah ouais. Je l'ai dans en tête et quand j'ai eu la carte, Ouais. Et pour l'instant. Après, à coup de combien, rappelle-moi 4. 4. 20 000. Double frappe, 20 000. Non, j'aime pas. C'est la moyenne, hein. Oui, c'est la moyenne, mais j'aime pas. C'est la moyenne. Et donc, du coup, moi j'ai mis 0,5 pour l'instant. J'ai bien dit dans mes notes, sauf erreur de ma part, le seul assistant de Kyoshin tourné dans l'édition est naze. Peut-être une carte pour de futures éditions. Ah, ouais, 0,5, t'es vachement sévère parce que je suis désolé. 4 d'invoke pour une 20 000 double frappe.
Bah, c'est comme le Gohan qu'on n'aime pas, il a un petit effet en plus. Donc le Gohan qu'on n'aime pas, moi, alors je regarde mes notes. On a dit Kaioshin, l'assistant est tout pourri, je suis d'accord. Oh, c'est même plus tout pourri. Non, le Kaioshin de l'université, du coup, moi j'ai quand même mis 3, parce qu'il a quand même double frappe, il a... permet d'aller chercher, voilà, s'il joue. Il se joue, on va pas l'éviter. Moi je te dis, à partir de 1, on l'évite. D'accord. Là, on n'a aucune raison de l'éviter. Il reste dans le main, même si on se sert pas de son autre effet, il reste dans le main, donc on s'en sert. Moi aussi tu le dis. Non, moi j'aime pas, donc on va passer à un autre, justement à l'assistant du Kaioshin de l'univers 6, qui est une carte de tour 1, hein, parce que pour un mana, donc forcément un rouge, il a 10 000 de puissance, c'est pas mal, sur la moyenne c'est 5 000. Sauf que le problème c'est que cette carte ne peut pas attaquer de carte de combat avec 15 000 ou plus de puissance, c'est-à-dire qu'il est très bien en tour 1, tour 2, et après il ne sert plus à rien. Donc du coup, je lui ai mis un bon gros 0. 0, j'irai pas jusqu'à là, j'ai mis 1. On l'évite, mais c'est pas la carte. Moi, quand je mets 0, c'est une carte limite, je la drop. J'ai envie de la mettre à la poubelle. Celle-là, je la mets pas à la poubelle. Je suis d'accord, je la mettrai pas dans mon deck. La carte est pas très jolie parce que la gueule de la session du n'est pas super. Mais je suis désolé, ça mérite pas le 0. Le 0, c'est vraiment de très rares cartes. Bah non, je suis d'accord. J'ai du mal à sortir le 0 moi. Oui, j'ai mis 0. On va continuer à une carte extra. Excellente. Bah, tu trouves excellente aussi, un complot d'assassinat. Qui, pour 4 mana, dont 2 rouges, fait qu'on va, donc pendant la phase principale, choisir n'importe quel nombre de cartes combat adverses dont le total de force est de 30 000 ou moins de puissance. Et on les met direct KO. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de cartes énervantes, hein, entre 5 000, 10 000, 15 000. Donc si au bout du coup on pourrait avoir minimum 2, maximum 4. T'as mal compté, c'est maximum 3. Total de 30 000. C'est celle à 5 000. Et des bloqueurs. Ouais. Maximum 4. Dans ce cas, ouais, donc on tuera toujours minimum 2 cartes. Minimum 2. Si on tue un Super Saiyan 3, Goku à 25 000 et un bloqueur à 5 000. Il y a toujours 2 cartes. C'est minimum. Donc pour 4, on en tue forcément 2. C'est ultra puissant. Moi j'ai mis 4 sur 5. J'appelle ça une race. Je change après celui-là. J'ai mis 5 sur 5. Ah, c'est très puissant. 5 sur 5, c'est presque cassé. Ah ouais, c'est fort, c'est vraiment très puissant. On va passer à une autre carte aussi cassée, hein, Protection de Vados. Alors peut-être pas autant que la bleue pour moi. Mais bref, donc du coup, quand pour 1, hein, comme celle de Vados, hein, ils ont tous une équivalent 1, hein, dans toutes les couleurs, annuler l'attaque, puis vous pouvez repasser jusqu'à une de vos cartes de combat en mode action. C'est-à-dire que c'est super fort. On va se défendre. C'est-à-dire qu'une carte est en mode action, on peut se défendre. Oui, c'est ça, ça défend, ça bloque comme Wish. Il remet du mana. Ouais. Elle remet une carte. Alors là, on pense à un petit combo, on a un bloqueur. Admettons que le bloqueur il arrive à survivre. Oui, admettons. Admettons il arrive à survivre. On peut le redégager pour rebloquer derrière. Oui, je suis d'accord. Il y a moyen de faire ça. Ou alors, ça peut aussi, par exemple, on pense à Frost. Mon Frost, il est engagé. Tu l'attaques pour le tuer et je sais que t'as encore 2 ou 3 personnes pour être capable de l'attaquer derrière. Ouais. Tu l'attaques, je claque ça et je le dégage. Du coup, tu peux plus le cibler. Ah oui, oui. Donc, du coup c'est une très bonne carte. Oui, moi, j'ai mis 4 sur 5. Hein. Ah, moi, j'ai mis 3,5 sur 5. Tu vois, j'étais moins emballé que l'autre, j'ai mis 5. Ouais, mais je pense que t'avais pas vu le fait que quand on cible un perso, tu peux la lever. Mais bon, du coup, c'est pas mal. Donc, on va passer à une autre carte que j'ai trouvé ça très bon. Destruction imprévisible. On va un bon champa qui s'énerve. Pour une fois, pendant la phase principale, choisis une carte de combat de votre adversaire avec 12 000 ou moins de puissance et on la met KO. Et je crois qu'on l'a, on tient l'essence du rouge parce que je crois que c'est le seul qui a des grâces. Non, non, le vert, il y en a. Le vert, il y en a aussi. Mais dans ce cas, ça joue entre vert et. Ça joue pas de la même façon, mais. Moi, j'ai mis un. Alors, je vais peut-être un peu surnoter. Je l'ai dit. Non. Peut-être. Non. Mais, pour un, c'est-à-dire que pour les premiers tours, même pour la fin de tour, quand l'adversaire, des fois, on joue des trucs parce qu'on a de ça à jouer. Ouais. J'ai mis 4 sur 5. J'ai dit que, bon, on peut tuer tous les birs et les bloqueurs en fin de jeu. Ils ont jamais plus de 10 000 de force, donc comme on a 12 000. Alors, si, t'as des birs à 15 000. Bon, on s'en fout. Mais. Ouais, j'ai mis un 4 sur 5, j'ai peut-être surnoté, peut-être. Non, pas, parce que je suis d'accord, j'ai mis 4 aussi, parce que c'est très très fort. C'est très très fort. On dit 12 000, ça fait pas toutes les cartes du jeu, mais en même temps, elle est pas là pour tuer toutes les cartes du jeu de 1. Et de 2, elle coûte 1, quoi. Non, pas abusé non plus. Alors, si tu combattes ça avec un contrat d'assassinat, t'as rasé le truc adverse. Oui, je suis d'accord, mais c'est fort. C'est trop fort. On va passer une autre carte que je trouve très forte, Éveil de Kyabé.
Alors, cet éveil, moi, il faut savoir, j'avais mis 0. J'avais mis 0 sur 5 avant de la tester. On l'a testé, j'y mets 4. Et moi, je suis même plus généreux que toi, je mets 4,5 moi. Oui, voilà. Oui, mais je t'ai dit que moi, je mets très rarement les ennemis. Non, mais. J'y mets 4, c'est une carte. Vous jouez rouge, vous la mettez. Non, juste. Complètement. Parce que, en plus, c'est super fort dans le sens où l'adversaire, il te met un bonus, c'est souvent 5000 ou 10000. Oui. Et là, donc le mec, quand il claque un bonus de 5000, moi, je mets un bonus de 6000 dessus. Et du coup, je suis au-dessus, et du coup, je t'emmerde, et ça sera fini. Mais bon. Voilà, donc. Bon, du coup, voilà, c'est une... Excusez-moi, je suis quelqu'un de très vulgaire. C'est une énorme carte. Ouais. Donc, du coup, conclusion du rouge. En moyenne, j'ai mis 2. Je regarde vite fait mes notes pour la moyenne. Et toi, tu dois être aux alentours de 3. Hein. Non, celle-là, elle est aux. Si, c'est ça, c'est 3,5. Honnêtement, il n'y aurait pas eu l'assistant Kaioshin. Ouais. Et une autre carte, je ne sais plus c'est laquelle. Les deux cartes où j'ai dit dans l'extension rouge qui était pas très bonne, la moyenne aurait été de 4. Non, c'est très puissant. Les rouges, c'est ma couleur préférée et ça se voit. Ça se sent dans la manière de jouer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, du coup, le rouge, c'est pour moi l'une des meilleures couleurs que le bleu, quoique. C'est deux styles de jeu très différents. Ah ouais, mais c'est très bien. Les deux styles de jeu sont très différents. Les deux styles de jeu sont très forts. Oui. Moi, j'ai fait un deck bleu-rouge. Autant te dire que tu n'aimes pas ça. Les deux assemblés, tu peux pas faire grand chose. Keep it down, child.